En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il ? » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient : Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? Il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent : Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ? Les parents répondirent : Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il en est aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit : Est-ce un pécheur
je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Ma fille, penses-tu avoir déjà écrit assez de choses au sujet de ma miséricorde? Ce que tu as écrit n'est qu'une goutte d'eau en comparaison d'un océan. Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde, ni de misère qui puisse l'épuiser. Puisqu'au moment où elle se communique, ma miséricorde s'amplifie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, ta volonté est ma nourriture. Voici tout mon être. Dispose de moi selon ton divin plaisir. Quoi que me donne ta main paternelle, je l'accepterai avec soumission, paix et joie. Quelle que soit la manière dont tu me dirigeras, je suis sans crainte et avec l'aide de ta grâce, j'accomplirai tout ce que tu exiges de moi. Désormais, je ne redoute plus aucune de tes inspirations et je ne chercherai plus avec inquiétude où elles me mèneront. Conduis-moi, ô mon Dieu, par les chemins qui te plaisent. J'ai mis toute ma confiance en ta volonté, qui est pour moi l'amour et la miséricorde même.
Dieu m'aime en personne. Son amour ne cesse jamais. C'est pourquoi moi aussi, je peux dire, voici tout mon être, dispose de moi selon ton divin plaisir. Quoi qu'on me donne ta main paternelle, je l'accepterai avec soumission, paix et joie. Je suis sans crainte. »